Bonjour à tous et à toutes, c'est l'épisode 666 pour l'épisode 6 sur Red Dead Redemption. Pardon, c'est sorti comme ça. J'espère que vous allez bien, on va continuer où on en était, mais cette fois-ci on va arrêter les bêtises et on va faire des missions principales. Ou alors, je bute un cougar. Ah, on va juste faire un petit tour de la zone. Si je croise un cougar, je le bute au couteau. Si j'en croise pas, tant pis. Une biche. J'ai cru entendre le bruit d'un cougar. Bon, c'est pas grave. On va aller se téléporter et faire la mission de... Je sais pas qui c'est. J'ai mis la mission, mais je sais pas si j'ai... Si c'est Seth. Seth MacFarlane. Non, c'est pas du tout Seth MacFarlane. Seth MacFarlane, c'est un acteur. Et avant... Non, un acteur dont j'ai un des films qui est juste ici. Attendez, je crois que c'est lui. J'ai deux mails que je vais regarder. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, voilà. Seth MacFarlane, dont j'ai un film ici, parce que je me suis acheté des films hier pour 20 euros. The Dark Knight, The Box et The Green Hornet, qui est avec Seth Rogen. Rien à voir avec Seth MacFarlane. Ok, je ferme ma grande gueule. Qui est Seth MacFarlane, bordel de merde? Je ne sais pas, je ne sais point, et je vais donc aller le voir tout de suite, par curiosité, en vidéo. Comme ça, le truc qui n'a rien à voir et qui va saouler tout le monde. Je ne sais pas qui est Seth MacFarlane. Je sais même pas si Seth MacFarlane existe en fait. Seth MacFarlane. Attendez, je l'avais. Seth MacFarlane. Ok, je ne sais pas qui est ce monsieur. Pourquoi j'ai parlé de lui? D'accord. Ah, mais oui, c'est le mec qui fait American Dad. Je confonds avec Seth Rogen. Mais oui, bien entendu. Bien entendu. Il était avec Emilia Clarke, espèce d'enfoiré. Voilà, donc Emilia Clarke, pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit tout simplement... Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Il s'agit tout simplement de l'actrice qui joue Daenerys Targaryen, la mère des dragons, dans The Game of Thrones. Du coup, il sait que quasiment tout le monde a vu sa copine à poil. On va se détendre, d'accord? Ok, on s'en va. Tu veux que je t'emmène où? Gros peu psychopathe. Ça qui me fait penser à un superbe film que je vous conseille qui s'appelle Seven Psychopaths et qui est terrible. Déjà parce qu'il y a Christopher Walken, du coup c'est un super film.
Oh! Un train. C'est con, j'aurais pu monter dessus et tuer des oiseaux. Qui? Quoi? Comment? T'es mort! Toi aussi! Et toi aussi. Oh! Ça va faire boum, chérie! Est-ce que je lui ai mis? Est-ce que je lui ai mis? Au dernier de loin, j'ai tiré dans son cocktail Molotov à longue distance, quoi. Ah, j'ai pas du tout fait exprès. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes, 5 secondes. Il est presque liquide. Putain, il veut me faire gerber ou quoi, gros porc. Ils sont pas morts d'une épidémie, espèce de psycho. Merde, j'ai tiré sur un cheval. Je vais tirer sur un cheval. Mais avant, vous êtes tous morts. Merde, j'ai perdu mes trucs, non! Le chariot est en feu, les gars, pourquoi? Éteins-le, cesse! Merde, j'ai tiré sur le cheval, je voulais pas. Mais cesse! Mais pourquoi tu jettes des cadavres? Gros dégueu. Parle à des mecs morts, on dirait. Comment ils s'appellent? Doki, je sais plus. Dans. T'as rien trouvé du tout! Tant qu'on est poursuivi, dis-toi que c'est comme si t'avais rien trouvé. Tumbleweed, je le savais. Ah! Comment on fait une marche arrière? Ok. Je savais qu'il fallait la Tumbleweed. En fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas encore le... Enfin, je m'en souvenais plus, mais j'avais en mémoire une image de Cess à Tumbleweed. Et je me suis dit, alors, est-ce que c'est dans le DLC que je ferai peut-être? Ou est-ce que c'est dans celui-ci? Je ne sais plus. C'est ça. Dis-le à ma maman. Je sais pas pourquoi je dis ça, ça n'a aucun sens. Des fois, je dirais que... Je me dis que des fois, je devrais fermer ma gueule. Je crois que je me souviens ce que c'est le... Bon, du coup, j'ai toujours pas récupéré le trésor maintenant. Ah, mais Cess, oui, il est là, voilà. Je me disais bien qu'il y avait encore une mission avec Cess à Tumbleweed. J'ai pas de cocktail Molotov. Parce que là, on peut ouvrir des tombes, en fait, au cocktail Molotov, et je sais pas pourquoi. Laisser les morts s'enterrer eux-mêmes. C'est vrai, quand t'es mort, tu fais... Oui, j'ai animé un mort qui creusait et qui... C'est vrai, c'est intéressant ça. Tu m'excuses si je sors mon revolver? Non, mon fusil à pompe au cas où tu fais un seul putain de pas de travers. On n'est jamais trop prudent. Allez, viens. Au pire, je m'en fous, j'ai l'oubli. Oh merde! Laissez mon ami tranquille. Ok? Over here, where?
Monte ta tête, je te vois. Hein. Voilà. Toi, dans la prison là-bas. Dans tes coucougnettes. Oui, je suis un peu un garçon un peu radical avec les méchants. Hein. Oh, qui c'est qui tire là-bas? Aouh! Yes, un cri de Willem. J'adore le cri de Willem. C'est toute ma vie. Du coup, si on doit s'approcher de la maison, je vais changer de calibre, on est d'accord? Eh, monsieur, vous aimez le calibre 12? Moi, j'aime bien. Je crois que de mémoire, les portes sont fermées. Voilà, et on va passer par en bas. Et en bas, c'est où il y a le trésor. Mon trésor, pas le trésor de Cess. Du coup, voilà, là, on ouvre. Alors, attention, hein, c'est pas un abri anti-tornade. Enfin, il y a moyen, hein. Et du coup, je sais pas s'il y aura mon trésor. Putain, il est survivant lui. Oh! T'es têtu surtout! Du coup, apparemment. Il n'y a pas mon trésor à moi parce que mon trésor... Mon trésor à moi, il me parle. Mon trésor à moi, il est sous la tête là-bas en fait. Ah bah si, il est là. Parfait, j'ai mon trésor. Alors que Cess est à côté et Cess cherche un autre trésor. Mais vous verrez le trésor de Cess, il est juste comme ça. C'est bien, continue de gueuler. Moi, je gagne de l'or. Dans ton dos. Non, dis pas Lucasal, s'il voit ça, il va pas vouloir que tu le prennes, hein. Du coup, le prochain trésor, c'est lequel? Non, je voulais pas mettre le cheval, excusez-moi. Rio del Toro. Voilà, alors. Le trésor en question est au Mexique, donc faudra attendre d'aller au Mexique. Mais c'est dans pas si longtemps que ça, le Mexique. Hein. Il en reste. Oh putain, il en reste! Oh, j'ai eu un putain de tir réflexe, je lui ai mis deux chevrotines dans la tête. Allez. Il a survécu, je crois. Hein. Il a survécu à cette distance, je vous jure. Il y en a, ils veulent pas mourir. Je comprends pas. Tous tes problèmes s'en vont. Vous imaginez, on atteint un niveau de conscience supérieur dans lequel tu crées ton propre monde et tout. On sait pas ce qu'il y a après la mort, on sait pas, on en aura aucune idée. Oh! Mais ça va pas! Non mais... Dans la tête. Attends, par contre, je veux bien récupérer le fusil là. Hop. Ah non, c'est une carabine, je croyais que c'était un fusil à pompe qu'il avait. Le problème du fusil à pompe là, c'est que je l'ai acheté trop tôt, du coup, je suis pas... Attendez. Mec, je suis en train de fouiller ton le cadavre de ton pote. Qu'est-ce que tu m'emmerdes? Danny Trejo là, qu'est-ce que tu m'emmerdes? S'est passé quelque chose de très étrange. Moi je sais ce qu'il y a dans le trésor. Moi je sais ce qu'il y a dans le trésor. On va bien se marrer. Pardon. Oh oui. Tu vas pouvoir manger à l'œil toute ta vie. Oui, c'est ça, manger à l'œil, c'était le mot que je cherchais. Stop with the tears and help me with William.
Allez, faisons comme ça, d'accord? Bon, du coup. Oula, il y a eu des lumières étranges. Le jeu est en train de bugger complet là. Il me fait une petite disco là, les changements de luminosité, c'est assez lolesque. Du coup, avant d'aller voir l'Irlandais, j'ai failli dire l'Italien, mais non, pas du tout. Hein? L'Italien, il est là-haut normalement. Ah! Ah non, je l'ai rangé là, parce que j'avais la boîte d'Expendables avec. Stallone. Mon cerveau déconne, j'ai failli dire Schwarzy. Quelle honte. Du coup, on va aller à Gaptooth Bridge. Pour voir si c'est devenu un gang, une zone de gang, et donc gagner des objets. Parce que voilà, les zones de gang, c'est des missions secondaires très, très remplies d'action. Je trouve pas le mot que je cherche. Et du coup, avec un petit saut, le cheval accepte de descendre la pente. Il est décédé. Ok, donc j'ai un super cheval illimité en fait. Ah bah on peut compter dessus. Oh, je siffle. Attends, mais je vais avoir plus d'air là. S'il te plaît, le cheval. J'ai mal au pouce là. Enfin, j'appuie avec l'index, je dis n'importe quoi. Ok, c'est un connard. Du coup, ça va être Revolver Cattleman. Je sais pas pourquoi d'ailleurs Revolver Cattleman. J'en ai toujours pas d'autres, hein, revolver, ouais. Après, il y aura le Schofield. Ah bah enfin! Bah, t'arrives un peu tard maintenant, parce que je vais bientôt arriver dans la zone, mais... Non mais je m'en fous des coyotes maintenant. Il est vide aussi? Mais pourquoi les gens? Pourquoi? Bonjour monsieur. Ok. Bon du coup on va aller voir l'Irlandais qui est à Benedict Point donc juste à côté. Du coup en plus c'est... Non mais je crois que c'est fait exprès parce que je crois que la mission de l'Irlandais c'est une mission qui se passe à Gaptooth. La Gaptooth hein, qui est le sourire du bonheur. Les dents du bonheur. J'en sais rien en fait. Parce que j'en sais rien en fait. Gap c'est un écart. Et Tooth c'est une dent. Donc je me suis dit que Gaptooth c'était les dents du bonheur mais j'en sais rien en fait. Peut-être pas du tout. Sûrement pas d'ailleurs. J'en sais rien. En tout cas, tout ce qui est sûr, c'est que gap, c'est un écart. Un trou, un écart. Qui tire sur qui? Ça va? Monsieur, vous allez bien? Monsieur? Monsieur, êtes-vous décédé? Monsieur? Oh. Non mais casse-toi cheval, je veux pas ce cheval là, casse-toi, je voulais pas le cheval, je voulais voir si on pouvait fouiller la petite boîte. Genre cette petite boîte, non on peut pas la fouiller, voilà c'est tout ce que... Il y a un train, le cheval, il y a un train pas loin, allez hop, viens, on va le trouver ce... Attendez, il est où le train? Oh il est en garde, vite, allez. On va pouvoir tuer des chevaux, des oiseaux, en étant sur le train, ce qui est déjà une
grande classe. Du coup, j'emmerde l'Irlandais. Il est là. En plus, il est en gare. Non, attendez, le train, part pas. Non, non. Non, non. Voilà. Non, l'échelle, elle est là en fait. Allez, maintenant faut que le train il parte là. Il est con. Parfait. Du coup, on tombe pas du train cette fois-ci, Marston. Alors, on utilise la force. On utilise nos yeux. Et dès qu'un oiseau rentre dans mon champ de vision, on essaye de se le faire. Un. Deux. Ouh, attention là, Marston. Trois. Quatre. Ah bah déjà cinq. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Oh! On peut pas ouvrir les coffres? Bonjour messieurs! Coucou! Au revoir! Salut! Attendez, je vais voir ce que c'est l'autre, le prochain truc. Parce que si c'est un truc, on va être sur un train. Deux animaux sauvages différents en une seule session. Easy peasy, allez. Tu fais gaffe au train. Hein. Bon, du coup, faut que je trouve deux. Oh, super, il faudrait juste que je trouve un animal et il doit certainement avoir un oiseau à porter. Toujours un oiseau à porter. Tiens, il y a un monsieur là. Monsieur? Hello there! Ok. Vous êtes un monsieur étrange. Bon, on va retourner voir l'Irlandais, du coup. Ah là, si seulement ce train ne nous avait pas fait perdre un temps fou. Y a pas un animal au sol là, j'ai des oiseaux.
J'ai entendu un animal aboyer. C'est bon, j'ai. Tac, 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 3 balles. Tac. C'est quoi ce ralenti? Bon, c'est très classe. Je dis pas le contraire, mais normalement c'est censé être en mode temps réel, quoi. C'est censé être ta 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 ta. Là, ça fait to to to. C'était pas terrible, hein. Du coup, celui-ci était facile. Tirer sur les deux chapeaux de deux personnes pour les faire tomber. Mais ça, j'arrive pas. Quoi, je peux déjà faire Légende de l'Ouest? Ah oui, c'est ça. Légende de l'Ouest, faut être au niveau 10 dans tous les défis. C'est le truc que t'as en dernier quand tu finis le jeu, quoi. Non. Non, c'est pas une bonne idée. Non, ça sent le piège. Laissez mon cheval tranquille ! Qui a survécu ? Ah bah la pauvre fille ! Mademoiselle ? Mademoiselle, il faut qu'on discute. Elle avait sacrément d'argent, hein. Du coup, pour faire les chapeaux, j'attendrai d'avoir le bandana, le truc qui permet de pas baisser notre réputation. Parce que si je me rate et que je tue des gens... Déjà, c'est pas très sympa de ma part. Et bah, ça va baisser ma réputation et tout. Et je tiens pas vraiment à ce que ma réputation baisse. Du coup, on va attendre d'avoir le bandana. Black bandana. Black bandana. Nanana. Black bandana. Black bandana. C'est une musique présente dans. Hitman Absolution, mais oui, je vous ai entendu répondre. Ah bah voilà, c'était une mission à Gaptooth Bridge, j'en étais sûr. C'est obligé, le jeu veut tout faire pour m'emmerder. Tout faire. J'en avais tiré en plus. T'as bu? Bah arrête d'en boire. Bien, faisons-le. Mais oui. Precious, c'est bien le nom. Precious. Precious. Mais non, mais qu'est-ce que tu fais, putain. Alors moi, j'aime bien le mot Precious parce que c'est le nom du chien de Buffalo Bill dans Le Silence des Agneaux. Merci. Du coup, je sais même plus pourquoi il l'appelle Buffalo Bill. Faudrait que je me le refasse, ce film. Refasse. Il est trop bien, ce film. Mais Sterling...
I hate Liz. I hate his liver with a nice shanty. En anglais ça donne. J'ai mangé son foie avec un délicieux shanty. Je sais pas comment il fait. C'est flippant. Mais j'adore. Du coup, faut que je me fasse Dragon Rouge et Hannibal. Mais je me ferai pas les naissances du mal, par contre. Gap Tooth Bridge. Elle déchire sa vanne. T'es si tordu que si tu manges un clou, c'est un tire-bouchon qui sort. Ça, faut que je la sorte à quelqu'un. Oh, on est à Tumbleweed. Non, faut vraiment que je monte dans mon cheval. Mais je vais arriver. Voilà. Putain, il restait 10 cm. Bon, on y va bourrin. Hein. Genre bourrin. Genre, je vais mourir. Non, je pense pas. Je pense, je vais dire que je vais y aller bourrin. Mais dans le jeu, si on y va bourrin, on meurt. J'adore l'accent qu'il a. J'aime bien quand ils disent « me » au lieu de dire « my ». Ah bon ? Eh ouais ! Propriété privée ! Mon cul ! Excuse-moi. Voilà. Merci. C'est fort aimable de ta part de t'être pris cette chevrotine en pleine tête. À bout portant, normalement ta tête devrait exploser. Voilà, lui là-bas il est mort. Bonjour messieurs, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis là pour vous vendre du savon parce que il semble que vous en manquez beaucoup quand même. Hein. Excuse-moi, je te fouille. Je sais pas si les balles elles passent à travers la tente, en tout cas, elles passent à travers la chair. Hein, monsieur? Mais si, j'ai du business ici. Viens, on va en discuter, je vais te montrer. Non, mais décède. Hein? Vous me tirez dessus parce que vous croyez me faire peur, mais non! Toi, t'es mort, hein, merci. Mais je suis personne! Par contre, je vais juste me casser parce que je vais mourir! Oui. Pourquoi pourquoi le personnage court plus lentement dans les pentes? Comment ça, c'est réaliste? Ah merde. Bah, je sais pas, j'ai l'habitude de Dark Souls où tu cours tout le temps à la même vitesse. Hein. Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, parce que je crois que c'est en rapport à ton poids. Je sais plus si la vitesse de course est influencée ou pas. Alors, du coup, on va la refaire, mais ce coup-ci, je vais la faire plus propre. Genre, tac. Les gars. Ah bah voilà, il faut réagir. Puis au moins, je blesse pas de cheval. Bon, allez. Normalement, on avait un là tout à l'heure. On se calme. Arrêtez de tirer à tout va. Va y avoir des morts. Pourquoi ils me tirent dessus? Moi, j'ai rien contre eux. Enfin, c'est moi qui ai ouvert le feu, mais... Ils avaient l'air menaçants, quand même. Du coup, c'est un cas de légitime défense. Et toi, là-bas. Oh, j'ai mis un putain de headshot. Excusez-moi, je fais le ménage. Je pense qu'ils ont bien besoin d'un petit coup de ménage, une petite douche, les gars. Non, non, c'est pas votre truc, vous avez pas pris de douche depuis quoi? Un an, deux ans? Oh, qu'est-ce que tu fais avec un fusil à pompe en étant aussi loin de l'action? Eh, monsieur!
Vous pouvez décéder, s'il vous plaît. Merci. Ah ben, je crois que c'était des explosifs, mais non. Encore un fusil à pompe, mais c'est très bien. Non, alors... J'aime pas vraiment les gens comme ça. Allez, rentrons. Comment ça, je suis tout seul? Ah oui, mais... Mais non, je voulais tirer là-dessus. T'es con, toi, tu t'es mis sur la trajectoire de ma balle. Quelle mauvaise idée. Ah oui, en fait, je suis tout seul, mais moi, je suis un joueur de jeux vidéo. Donc, du coup, j'ai des meilleures armes que vous. Et une plus grande précision aussi. Et certainement une intelligence supérieure. Parce que bon, les intelligences artificielles, pour le moment, hein, autant bon, d'accord, des fois, c'est vrai qu'ils arrivent à créer des bots de multijoueurs qui ont des comportements plus ou moins humains, mais dans le sens où ils ressortent en fait ce que font les humains, enfin, ce que les humains font le plus fréquemment. Après, bon, dans les jeux solo, l'intelligence artificielle, c'est pas trop ça. Surtout quand le personnage principal... Bon, mec, je sais pas, fais quelque chose, vise, je sais pas. Parce que là, c'était pas ça, quoi. Du coup, je te remercie pour les munitions de fusil à pompe. C'est toujours fort sympathique d'en avoir. N'est-ce pas, monsieur? Ah, je suis un peu trop lent pour vous, monsieur. Voilà, excusez-moi. Mais merde, c'était un type au fusil à pompe. Je m'attendais à ce qu'il me donne des munitions de fusil à pompe, pas de l'argent, quoi. Bon, là, il y a des explosifs à côté de moi, je vais faire un peu attention. C'est pas parce que les explosions, elles sont moches dans le jeu qu'il faut pas faire gaffe, hein. Oh, il avait rien. Messieurs, c'est moi. Coucou. Oh, t'as survécu, c'est bien. Il est où l'autre? Ah, ils étaient tous les deux là, ok. J'aime beaucoup les niveaux dans les mines. Pour de vrai. Couchez, monsieur. Couchez, s'il vous plaît. Tiré dans la tête direct. J'aime bien comment les mecs, ils crient alors qu'ils se prennent une balle dans la tête. Ça, c'est que dans les films ou dans les jeux vidéo. Donc, en fait, je suis en train de me dire que ça doit être possible dans la réalité, du coup. Parce que tu te prends une balle dans la tête, donc tu meurs, donc tu ouvres la bouche, et si t'as de l'air dans les poumons, peut-être qu'il y a un truc musculaire qui fait que l'air sort, et du coup ça fait... C'est crade. C'est crade ce que je raconte. Ouh, je me dégoûte. Excuse-moi, je fouille le cadavre de ton pote. C'est bon, tu peux m'attaquer si t'as envie. Regarde. Mais oui, il faut faire attention avec les lampes. Ah, mais il brûle pas, l'enfoiré. Là, il brûle, là. Non, monsieur! Excusez-moi, le coup est parti tout seul. C'est pas vrai. Ah, j'ai tiré spontanément sur... volontairement, plutôt. D'une manière spontanée, mais volontaire. Je me suis quand même dit, tiens, ça va exploser. Et là, du coup, instinctivement, mes doigts ont fait un petit mouvement vers la gauche, un petit tir sur R2, et bim. Il était mort. Genre là. Non, monsieur, il faut mourir, s'il vous plaît. Regardez, j'ai fait deux trous dans votre cœur, ça devrait aller mieux. Bon, c'est une sorte d'embolie. C'est une grosse embolie, quoi. C'est une embolie de cette taille-là. Bon. Il y a mieux comme embolie. Hé, hey, il a survécu, lui, là-bas. Monsieur, là-bas. S'il vous plaît, arrêtez de survivre. C'est pas bien de survivre. Moi, je viens pour vous tuer. C'est pas pour que vous survivez, quoi, les gars. C'est pas sérieux, ça. Oh, une Gatling. Gouvernement issu. Ah, il est mort du coup. Oups, c'est pas le bon chemin. On le refait, mais dans l'autre sens. C'est parti. Et là, ce qui est trop bien, c'est que dès qu'il prend de la vitesse, vous allez voir, il va sauter sur le wagonnet. Comme ça. Et là, cowboy.
Normalement, on est censé croiser des gens à un moment ou à un autre, sinon je vois pas l'intérêt de pouvoir viser les gars. Voilà, y'a personne. Y'a quelqu'un, quelqu'un. Boum! Oula, non, j'ai raté. Poussez-vous, monsieur, merci. Allez, c'est la descente. Saute, John. Wouhou! Rock and roll, motherfucker. Stop, on arrive à bon port, Fred. Monsieur l'Irlandais. Aide-moi, connard! Voilà, je vais me le faire, grande classe! Vas-y, saute! Non! Non, monsieur, monsieur! Éloignez-vous, monsieur, ça va... Ah bah voilà, je vous avais prévenu. Coucou, c'est moi. Comment t'as fait pour venir aussi vite? Mec! J'étais descendu, j'ai fait po. J'ai fait exploser un truc. Et lui encore. D'ailleurs c'est bizarre, tu mets un gros tonneau de dynamite. Sur des rails, tu fais péter le tonneau, les rails sont encore là. Étrange, hein? Étrange. À tester dans la vraie vie. Ouais, c'est ça, faisons comme ça. Bisous, John. Voilà, encore un petit quart d'heure. Ma réputation augmente. Let's go. Tumbleweed, les gars. Ce coup-ci, c'est la bonne. Et là, je crois que la prochaine de l'Irlandais, c'est à Thieves Landing. Voilà, donc c'est un peu comme King's Landing, mais avec des voleurs. Et il n'y a pas de blondinet psychopathe qui tue tout le monde. Du coup, on m'avait vraiment spoilé un truc, hein, une fois en live. Je sais pas si la personne qui était là lors du live va regarder cette vidéo, mais m'avait spoilé... quelque chose dans Game of Thrones, et ben voilà, c'était un vrai spoil. J'avais pris la décision de ne pas y croire, mais je m'étais vraiment fait spoiler. Du coup, je m'étais fait spoiler beaucoup trop de trucs dans Game of Thrones saison 4. Encore vide, putain! Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pendant un quart d'heure? Ah bah, les chapeaux! Ah bah non, il faut que j'aille chercher le bandana. Bah, du coup, on va aller voir Tis Landing. Normalement, il devrait plus être vide, on a fait toutes les missions qu'il y a là, c'est juste que j'arrive pas par le bon côté, je suppose. Si j'arrive par là, ça devrait être bon. Ah non. Parce que je peux pas faire le trésor. Le grand chasseur, c'est chiant, et l'as de la gâchette... Je peux pas le faire parce que si je tue les gens, c'est pas bien quoi. Putain, mais il y a plein de tatous en fait. Hein. Oh! Wow, t'as bien raison. Allez, téléportation à Thieves Landing. King's Landing. Un King's Landing, hein, pour ceux qui regardent pas Game of Thrones en VO, c'est Port-Royal en fait. Je le dis juste, au cas où vous ne regardez pas en VO.
N'empêche, elle est classe cette boîte. Hein. Apparemment, le jeu qui est dedans est beaucoup moins bien, mais la boîte est classe. C'est God of War Ascension. Parce que j'ai God of War 3, 1 et 2 quelque part. Il faudrait que je prenne un jour la collection numéro 2 de God of War avec Ghost of Parla et je sais plus quel autre, ceux de la PSP en fait. Mais là, Ascension, il me donne bien envie quand même. Hein. On va faire du poker menteur. Mais avant, je vais acheter la maison parce que cette maison-là est très importante. En fait, je dis ça, mais non, mais j'ai de l'argent. Donc on va en profiter, voilà, c'est ça. Et je vais acheter le bandana aussi. A black bandana. Pardon. Vous imaginez si un jour vous pouvez acheter une maison comme ça à 100$? Un petit appart et tout. Bon, c'est un truc d'appoint, quoi, mais 100$? Je veux dire, dans la vraie vie, Non, de nos jours plutôt, parce que je pense qu'à l'époque ça devait bien coûter dans les 100$ aussi. De nos jours, un truc comme ça, avec 100$, vous pouvez même pas le louer quoi. Ou sauf si c'est à la semaine. Qu'est-ce que tu as d'intéressant? Oh! Oh! Monsieur est intéressant! Hein. Du coup, le sanglier, ça vaut rien ici parce que c'est pas rare. Par contre, voilà, la griffe de dollar, 12$, la viande de dollar, 5$, les défenses de sanglier. Je crois qu'il y avait une erreur de traduction alors, les gars. Hein, parce que je devais en avoir 5 de défense, du coup, j'en ai eu que 2. Hein. Donc, je pense que c'était de la peau qu'il nous fallait ou de la viande. J'ai tout vendu. Au revoir, monsieur! Et là, il y a le costume élégant, qui permet de tricher au poker. Et c'est très drôle. De toute façon, on fera un peu de poker. Mais là, on va faire du poker menteur qui n'a rien à voir avec le poker. Et qui est très, très... Pourquoi je peux pas aller au tailleur? Ah, je viens de passer l'heure de fermeture des magasins. Attendez, on va repasser la journée. Le problème, c'est qu'il fait tout le temps ce microclimat à Thief's Landing. Du coup... Du coup, c'est le bordel. Puis des fois, il y a des femmes qui sont violées dans la rue. Enfin bon, on est à un endroit où il n'y a pas vraiment de police, quoi. Pouop, pouop. C'est pas assassin de la police qui disent, c'est... Allessin de la police. Pouop, pouop, allessin de la police. Un truc comme ça. Et du coup, ça n'a rien à voir avec assassin de la police. Et c'est une mauvaise interprétation. Ils ont jamais voulu dire ça. Je sais pas du tout qui c'est qui chante ce truc à l'origine. Mais voilà, c'est le genre de truc qu'on apprend en regardant le stream de Real Myop sur Demon's Souls, un stream très 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 intéressant pour le coup, parce que y a des débats et tout avec les gens qui interviennent, et c'est très bien. Normalement il fait jour là, donc ça serait bien de pouvoir aller... Monsieur le tailleur, non ça c'est un mannequin, Monsieur le tailleur! Monsieur le tailleur, je suis chez vous là. C'est moi, je viens de vandaliser le mec. Enfin, de le voler plutôt. Oh, 4$! Dites donc. C'est le début de la richesse. Bon, le tailleur. En plus, je crois que c'est pas du tout le tailleur là, c'est le médecin. Ah, si, c'est le tailleur. Mais il est où? Oh merde! Qu'est-ce qui se passe? Eh! Mais. Eh! Ça va pas? Bah lui il est mort! Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Excusez-moi madame! J'aurais pu faire mon crevard, la prendre et l'acheter sur les rails du train, il y a un trophée pour ça. Oh, 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 oh.
cache poussière. C'était l'arme, je sais plus comment le débloque, mais c'est la tenue que j'ai jamais su comment la débloquer. Et voilà, je l'ai. J'ai le cache poussière. Ah, en fait, faut juste être gentil, d'accord. Putain, j'ai le cache poussière, les gars. J'ai le cache poussière, je vais aller le mettre direct. Bonjour, vous êtes le tailleur? Costume élégant, tissu de la bande de Walton. Ça coûte cher, je sais. Merci, monsieur, au revoir. Du coup, on peut aller changer de tenue. Il était temps. Alors, les tissus, par contre, j'ai quand même montré comment on débloque des tenues. Il y en a plein, des tenues. Et la plupart du temps, c'est avec des petits trucs comme ça. Mais des fois, voilà. Il faut, par exemple, pour la tenue d'assassin, il faut gagner un duel à Ardamio, terminer un service, capturer et tuer Mo Van Bar. Donc ça, c'est avec les affiches. Et fouiller Coup de sa chapelle. La bande de Walton, il y a plein de trucs à faire. Donc dresser un cheval à Ridgewood, éliminer tous les autres joueurs lors d'une partie de poker à Mardillo. Et acheter, à chaque fois, il faut acheter le tissu. Mais c'est pas parce qu'on achète le tissu qu'on a le truc. Après, il faut savoir qu'acheter le tissu, bon, c'est pas tout le temps le cas, parce que, bah voilà, par exemple, là, j'ai pas eu à acheter le tissu. Mais c'est pas systématique, mais c'est souvent le cas pour les tenues de bandits, en fait. Il y a des tenues qu'on débloque aussi en avançant dans le jeu, donc, voilà. Mais là, pour le coup, c'est l'heure d'avoir la classe. Voilà. T'es un cow-boy ou t'es pas un cow-boy? Et là, t'as l'impression d'être, je sais pas, moi, dans... Il était une fois dans l'Ouest, il y avait trois de tes hommes avec... Non, il y avait trois par-dessus avec un de tes hommes dans chaque par-dessus, un truc comme ça. Et ils ont tous trois trous dedans. Un truc comme ça. Et le poker monteur, qui est mon mini-jeu préféré de Red Dead Redemption. Donc on va en faire quelques parties avant la fin de la vidéo. Donc on met lente, en EG2, ah non c'est bon. Donc hop, on regarde les trucs. Donc là je peux regarder mes dés, voilà. Et je vois que j'ai 3-3, donc je dis qu'il y a au moins 4-3 sur la table. J'ai dit qu'il y a 4-3 sur la table. Lui il dit qu'il y en a 5. Et lui il dit qu'il bluffe et qu'il n'y en aura pas 5, du coup... Du coup, il y a bien 5. Donc, il avait raison. Il y avait au moins 5 trucs. Donc, lui, il perd un dé parce qu'il a dit que le gars bluffait. Alors qu'en fait, le gars avait raison. Et c'est tout le truc comme ça. Des fois, faut bluffer et tout. Et des fois, on peut dire aux gens que tu bluffes. Ou des fois, on peut dire aux gens que ta mise est juste. Et si elle est juste, lui, par exemple, il dit qu'il y a 1, 2. Donc, moi, je dis qu'il y a... Donc là, je peux pas, par contre... Ah si, je peux dire qu'il y a 2, 1... Je sais plus, bref. Moi, je vais annoncer qu'il y a 3-2. Il dit qu'il y en a 4. 6-2. Donc moi, je dis qu'il bluffe et qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas 6. C'est pas possible qu'il y en ait 6. Du coup, on regarde. Il y a 1-2. 4-2. Et il n'y en a que 5. Donc c'était un bluff, il n'y en a que 5. Et du coup... Il perd un dé, parce qu'il a dit que une annonce qui était fausse. Et moi, j'ai dit, dans l'annonce, elle est fausse. Voilà. Et c'est trop bien. Donc, il dit qu'il y a 2-4. Moi, je dis qu'il y a 3-6. Bon, là, c'est un peu risqué, parce que j'en ai deux. Faudrait qu'il y ait au moins un 6 chez les autres pour que j'ai raison. Pas de 6. Ah, j'ai perdu. Je perds un dé. Et quand t'as plus de dé, t'es éliminé. En fait, tes dés, c'est tes nombres de vie, quoi. Et donc là, le mec au milieu... il est en train de nous défoncer méchant. On va regarder, parce qu'on peut aussi dire que l'annonce est exacte. Et dans ce cas-là, on perd un dé aussi. Je dis qu'il y a 2-4. 3-1. 3-5. Du coup, là, je peux pas miser moins. Voilà. Ils disent qu'il y a au moins 3 de quelque chose, donc là, je peux pas miser moins. Et moi, je vais dire qu'il y a 3-4.
Ah oui, je suis obligé de monter. Donc, du coup, comme j'ai 2-6, et là, je peux pas savoir vraiment sur ces trucs des 5. Comme j'ai pas d'idée sur les 5, je sais pas ce que je dois dire et tout. Du coup, moi, je sais que j'ai 2-6. Il y a une probabilité. Attends, il dit 3-5. S'il dit 3-5, c'est qu'il doit en avoir 2. Il a 3D. Bon, l'autre a 5D. Du coup, le 3-6, ça peut se tenter. Il dit qu'il y a un bluff. Merde, c'est-à-dire qu'il a pas de 6. Je suis dans la merde, là. Ah, mais c'est pas vrai! J'aurais dû dire que les 5 étaient justes! Oh. Allez. 2-4. 2-5. 3-2. Allez. Je dis que c'est exact. C'est risqué, hein, dire que c'est exact, parce que si on a 4, c'est pas bon. Ah putain, il y en a 4! Je vais perdre! Ah, faut que je me concentre, j'ai que 2 dés. Faut que je prenne en compte le nombre de faits que j'ai que 2 dés. Pas par rapport au nombre de vies, hein, par rapport aux probabilités. Je dis qu'il y a 2-1. Non, mais tu m'étonnes, c'est pas possible qu'il y ait personne qui ait 2-1 à part moi, quoi. Ouf! Ouf! C'est chaud là. C'est chaud. C'est vraiment jouer à 2D. Le pire, c'est jouer à 1D. À 1D, tu peux vraiment pas. Il annonce 1, 2. 2, 1. En fait, voilà, quand une annonce, c'est au moins. Donc s'il bluffe et qu'il y en a plus que ce que je disais, il perd un dé. C'est... Trois, quatre. Allez, c'est exact. Oh l'enfoiré! Oh l'enfoiré! Le mec il dit qu'il y a 3-4, il en avait pas! Je pensais qu'il en avait au moins 2 pour annoncer un truc pareil. Allez, il y a 2-4. 3-1. Oula, pour moi 3-1 c'est pas possible. Du coup je zappe. Là je suis pas dans la partie donc je m'en fous. 2-4. Allez, je dis que c'est exact. Au pire, je perds. Dis-moi que t'as un 4. Oui, ça a eu lieu. Quand on a une annonce exacte, ils perdent tous les deux un dé. C'est tendu. C'est très tendu, là. Et là, Hamilton, qui était premier et qui avait pas mal d'avance, il est en train de tomber dans... Oh putain. Est-ce qu'il annonce un dé et il en... un 2 il en a pas ou est-ce qu'il en a un? Moi je dis qu'il y a 2-2. Putain, s'il te plaît, dis-moi que t'en as un. Oui. Toi t'es éliminé. Allez, j'ai qu'un seul dé, il en a 2, ça va être chaud, ça va être très très chaud. Un 5. Oh, est-ce qu'il en a un ou pas? Bon allez, j'ai pas le choix. Soit il en a un et je suis mort, soit il en a deux et je suis encore plus mort. Et voilà, il en a deux, je suis mort. Ah purée. Ah voilà, c'était... c'est, franchement, ce jeu est génial. Hein. Moi, je trouve ça génial. C'est beaucoup plus intéressant que le poker parce que... Allez, je me refais. Par contre, je vais avancer à chaque fois jusqu'à mon tour. Je dis qu'il y a 3-5.
Ah, il s'est trompé. Il y a, là, il dit qu'il y a 1-1. Moi, je dis qu'il y a 2-1. 4-1. Allez, c'est exact. Oh putain, l'autre il en a pas 3, c'est mort. En fait, il y en avait que 2, ok. Ah, faut que j'arrête. C'est très dur de déclarer une bonne annonce. Par contre, si vous déclarez que l'annonce est juste, les deux autres perdent un point, quoi. 3-2. 3-2. 4-1. Tu bluffes, Martoni. Tu bluffes. Pourtant, j'ai un 1. Donc, c'est risqué de dire qu'il y a un bluff alors que j'ai qu'un seul 1. Ah, là, ça me dirait qu'il en est 3 quand même. Il en avait qu'un. Hé, hey, t'as voulu me faire le même coup que la dernière fois, mais non, mon gars. Non, non, non. Tu dis que je suis en train de tricher, je suis pas en tenue, je peux pas tricher. Hein. Faut une tenue spéciale pour tricher. 1-1. Bon, déjà, c'est faux, il y en a au moins 2. Quatre, cinq. 5-5. Vous êtes complètement à côté de la plaque. J'en ai pas, mec, des 5. J'en ai pas, hein. Rassure-moi, j'en ai pas, hein. Ouh là là. Ouf. Il en avait 3, l'enfoiré. Oh, putain. Et là, le mec au milieu, il nous met la misère, hein. 1-3. Je dis qu'il y a 3, il y a 2-5. 3-4. 3-4, il y a moyen. 4-3. Mec, on est en train de t'éliminer. Tac 2 dés. Tu pars du principe que nous, moi, j'en ai pas des 3. L'autre, il doit en avoir 1. Voilà. Et toi, tac 2 dés, c'est mort. T'en auras pas 4. Voilà. Bon, d'un coup, j'ai pris un risque parce qu'il avait un double 3 quand même. Je m'attendais pas à ce qu'il ait un double 3. Mais. Deux, trois. C'est-à-dire qu'il a un 3. Allez, je pars du principe que l'autre avec ses 5 dés, il a un 3. Théoriquement, ça fait 2-3 sur 6 dés, c'est un peu risqué. Oh putain, il en a 2, mais non! Mais non! Putain, je pars du principe qu'il en avait 1, il en avait 2, quoi. Oh là là, l'autre, il a ses 5 dés, c'est risqué. C'est très risqué. 5, 5. Je dis qu'il y a 2, 5. 2, 6. C'est pas beaucoup, 2, 6. 3, 3. Tu bluffes, Martoni. Lui, il a des 6. Il a au moins 2, 6. Ou il a au moins 1, 6. Moi, j'ai pas de 3, t'as qu'un seul dé. Ah bah là, c'est bon, il est mort. Il n'avait qu'un seul dé, du coup, c'était obligé qu'il perdait, là. Putain, j'ai quand même 2 dés de retard sur l'autre. Il est au taquet, lui, hein. Il est de là, il fait, oh non, c'est bon, battez-vous entre vous. Il y a 1-3. 1-5. 2-5. 4-5. Tu bluffes. Ça devrait que t'en aies 3, quand même. Oh putain, quand j'ai dit 2-5, s'il m'avait dit que c'était une annonce juste, j'étais malin. S'il m'avait dit que c'était une annonce juste, là. Mais 3, il m'aurait peut-être fait dit que je bluffais, lui. Le face-à-face, j'aime pas ça. 1-2. Ça me va. S'il en a 2, il m'a bien eu, hein. Égalité. Monsieur Mouton. Moi je dis qu'il y a 2-5. Dis-moi que t'as un 5. Ah, il en a pas, merde.
Putain, j'ai mal joué, mais s'il mettait 2-2 et qu'il disait que c'était juste, je perdais aussi. J'étais un peu coincé. J'étais un peu coincé. T'as pas de double 1, c'est pas possible. Mais là, de toute façon, il domine. Enfin, là, on est à égalité, du coup, il domine plus. Mais celui qui a un dé de plus, c'est énormément d'avantages. Ça augmente la possibilité d'avoir un double énorme. 1-1. Ok. Ça m'étonnerait que t'as un double 1. Non, de loin, je vois que t'as un 1 et un 3, donc c'est bon. Voilà. Allez! Je vais peut-être pouvoir me rembourser ma défaite. Parce que du coup, je vais gagner 60$ et j'en aurais mis 40. Donc j'aurais même gagné 20$. 1-5. Voilà. Ok. Voilà! Je suis re-rentré dans mes frais. C'était passionnant, j'adore ce jeu. Bah, vraiment. Bon, là, on n'était que 3. Mais je pense, des fois, il y a des tables, elles sont un peu plus remplies et du coup, il y a plus de monde et c'est cool. En tout cas, moi, je peux pas faire pause. Mais je vous dis à la prochaine, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite des vidéos. Donc, toujours du Red Dead en ce moment, il n'y a que ça sur la chaîne. Il y aura bientôt le deuxième DLC de Dark Souls 2 qui va arriver, même si je sais pas encore comment je vais faire. Je sais pas, soit je fais avec mon perso qui est New Game Plus 1 mais qui est trop cheaté, soit je refais avec un backup de sauvegarde de ce personnage là, mais je suis pas très chaud. Parce que bah, j'ai pas l'habitude du personnage de son backup par rapport à celui de maintenant. Bon, on verra. Allez, je vous dis à la prochaine, j'espère que ça vous a plu. Salut!